Les amis, bienvenue, c'est Roy. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bloxfruit. Aujourd'hui, les gars, on va augmenter notre race. Donc, on va la passer à la V3. Donc, je sais pas du tout comment ça va se passer. J'ai vu qu'on pouvait passer notre race de niveau 1 à niveau 3. Donc, on va le faire directement aujourd'hui. Je sais qu'il faut faire pas mal de choses, il faut vraiment être patient, il paraît, mais je pense qu'on va déjà la faire jusqu'à la V3 et ensuite on verra pour la V4. Ok, pour l'instant j'ai la race shark. Attendez, je vais juste vous montrer. Donc vous pouvez me voir là dans le dos, j'ai la race des requins. À la base, enfin au tout début du jeu, je me rappelle que j'avais la comment ça s'appelle, oh, j'ai oublié le nom. J'avais la race des anges et j'ai décidé de changer pour avoir une meilleure. Donc là, on va directement aller en C2. Hop. Je vais suivre, bien entendu, mon ami Build. Vous savez que je fais toujours les vidéos, enfin, la plupart du temps avec lui. Donc, let's go, quoi. Hop. Si cette vidéo vous plaît, les gars, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Comme d'hab, on rush les 30 000 abonnés. C'est l'objectif pour l'instant de la chaîne. Merci beaucoup. Et si vous voulez aussi des lives YouTube de mes aventures Bloxfruit, dites-le moi dans les commentaires. Je pense que ça peut être super cool que je vous fasse un peu des vidéos sur mes aventures. Donc, si ça vous tente, pas de problème, dites-le moi et je vous ferai des petits lives. Bon, là d'abord, pour commencer, on va faire la V2 du Shark et ensuite, on fera la V3. Je sais pas exactement ce qu'il faut faire, donc je vais suivre le frère au build. Je crois qu'il m'a parlé de trouver des fleurs ou quelque chose comme ça. Donc, ok, on va commencer par parler à ce monsieur. Salut mec. Ah, il me semble que tu n'as pas encore débloqué un potentiel maximum. Si tu cherches plus de puissance, j'ai besoin que tu m'apportes 3 fleurs différentes réparties sur toute la carte. Donc, on a la mission de trouver des fleurs. Pas de problème, on va le faire. Où est-ce qu'on va commencer les recherches? C'est la partie la plus chiante. Ouais, je pense bien. Trouver des fleurs, je pense bien que ça va être relou. Mais bon. Attendez, je vais prendre un autre fruit pour me déplacer. Je pense que ce sera plus simple. Je vais prendre peut-être dragon. Ah, mais d'ailleurs, je n'ai toujours pas mis maîtrise 350. Faudrait que je vous le fasse, les gars, pour une petite vidéo. Ok, je pense que ça risque d'être une petite vidéo recherche, hein, les gars. On va passer pas mal de temps à trouver ces fameuses fleurs et faire les boss, quoi. Ah, les gars, ça risque d'être long, hein. Ça risque d'être une quête assez longue. Il s'est mob. Faudrait aussi que je fasse la V2 de mon style sabot. Je sais pas encore jusqu'à quand, mais... Je vais le garder en V1, mais pour l'instant... Ok, j'ai une fleur. Ok, les gars, on a une première fleur. C'est la fleur numéro 3. Masterclass. Je l'ai dit à Bill directement. On passe chercher la deuxième. Pour l'instant, on a la fleur numéro 3. Donc, je pense qu'on va devoir trouver la fleur numéro 2. Et ensuite, la fleur numéro 1. Dites-moi dans les commentaires, les gars, la race... Quelle est pour vous la race que vous trouvez la plus forte? Moi, j'aimerais bien savoir. Je sais même pas combien il y en a. Je sais qu'il y a la race des requins. Il y a celle des humains. Il y a les anges. Et il y a les minks. Mais je sais pas s'il y a autre chose. Ok, les gars. Build est parti en éclaireur et m'a dit qu'il avait repéré une fleur. On va le suivre. J'ai farmé les mobs, je sais pas combien de temps. Mais malheureusement, il n'y a rien qui est tombé. On va le suivre et on va aller récupérer la deuxième fleur. Franchement, c'est long, les gars. Je me rends compte que plus je joue à Bloxfruit, plus je me rends compte que quand vous augmentez en niveau, en fait, les quêtes deviennent de plus en plus longues et de plus en plus relou, quoi. Mais bon, après, c'est plaisant, mais ça prend vite du temps, quoi. Ok, il y a une fleur rouge ici. Let's go. Ok, il ne manque plus que la première. Hmm,
trouver la première fleur risque d'être long. Long, mais long. Ah. Les gars, Build vient de m'informer que la fleur bleue peut spawn que pendant la nuit. Donc là, on est en train de la chercher pour rien. Mais vraiment pour rien, en fait. Bon, les gars, je me suis un petit peu renseigné. La fleur V2... Enfin... Je suis tellement fatigué, là, que je m'en mêle les pinceaux. En fait, la fleur bleue, elle est spawnable que pendant la nuit et que sur 3 îles, en fait. Il y a cette île où je suis, en fait, l'île des zombies, la petite île de Usopp et l'île... Vers là-bas. Donc en fait, j'ai juste à attendre la nuit qui commence à tomber là. Excellent. Je vais attendre la nuit et en fait, je vais aller la chercher. Par contre, j'ai vu qu'il fallait payer 850 000 balles pour passer en V2. Mais bon, c'est pas un souci, on a 7 millions. Mais bon, moi, j'aime pas trop dépenser mon argent. Ok, donc là, comment je peux le voir ici? La fleur bleue n'est pas ici. Là, généralement, il spawn là. Elle n'est pas là. Donc là, on va aller sur l'île d'Usopp, je pense. On va aller voir chez Usopp. Non, il n'est pas ici. Allez. Pas possible. Bon, on va aller voir ailleurs. Il nous reste encore un spawn à aller faire. Oh les gars, je vous promets, ça doit faire une heure qu'on cherche. C'est horrible. C'est vraiment, vraiment, vraiment horrible. Elle est pas là. Elle est pas là. C'est par hasard. Oh mon dieu, les gars, je vous promets, c'était long de fou. Bon allez les gars, go retourner parler à notre frérot là. Oh, ça m'a redonné espoir là. C'était vraiment long. Tiens mec, on te donne tes fleurs de mort. Oh là là. Bon travail, tiens, je paye. Enfin les gars, let's go. Enfin. Ok, est-ce qu'on a une différence au niveau... Au niveau corporel, non, on n'a pas de différence au niveau corporel. Ok, bon. On l'a V2. Yes, oui, j'ai payé. Oui, t'inquiète. Ok, enfin, super, les gars. C'était super. Franchement, les joueurs de Blox Free, vous avez vraiment de la patience. Hein. Parce que, waouh. Ok, maintenant, on part pour la V3. C'est parti. Je crois que pour la V3, il faut vaincre un 6 beast. D'après ce que Build m'a dit. Oh, qu'est-ce que je fais ici? Incroyable. Salut, mec. Mais c'est trop cool. Franchement, ce que je kiffe avec ce jeu, c'est qu'il y a des passages secrets partout, quoi. C'est incroyable. Commençons. Je suis Arrow, un fils de Ripindra. Je forme ceux qui ont le moins de chance que moi pour canaliser leurs forces cachées. Ok, vas-y. Ok, je dois aller battre un 6 beast. Ok, on y va. Oh, ça m'a redonné un peu de... Ça m'a redonné un peu de d'espoir, là, parce que... Ça commençait à être long, quoi. Bon les amis, voilà enfin, j'ai fait un time skip de 24 heures, je suis allé me couper les cheveux, je me suis mis bien, j'ai médité, j'ai évacué toute ma rage. Là je suis prêt pour affronter ce 6 beast
et enfin récupérer mon V3. Donc là j'ai ramené des potes, hein. Sérieux les gars, j'ai ramené des frérots. Attendez, regardez, hop, là j'ai ramené des gens. Là, le cibiste, on va l'éclater. C'est la nôtre. Il va apparaître. Là, s'il apparaît pas, je comprends pas. Ok les refs, on m'a prévenu là tout de suite. Les gars, j'avais tout éteint. On m'a dit, il y a un SB. Faut que je me dépêche les gars, faut que je rejoigne le serveur. Vite. Il faut que j'y aille, c'est le moment. Oh là 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 là, vite. Je suis où là? Qu'est-ce que je fais ici? Devant le café? Il est où le cibiste? Attendez, je vous envoie le lien. Oh! Attends, j'ai entendu un bruit là. J'ai entendu un bruit. C'est un cibiste. J'arrive. Il est où? Mon perso, il est comme ça à cause d'un lag, les gars. Le jeu, il bug. Vite. Il est là-bas. Oh les gars, est-ce que je vais arriver à temps? Non, le tuez pas, s'il vous plaît. Non, je crois qu'ils vont le tuer. Go. Attendez. Mais mon jeu il lag, c'est pas possible. Pourquoi je suis comme ça au Bouddha? Mais pourquoi je suis comme ça au Bouddha? Allez. Let's go les gars. Attendez. On l'a eu? Là on peut retourner vers le vieux fou là. Oh c'est incroyable qu'on ait on ait réussi à faire ça en live les gars. Oh là là. Dis merci à Sento, c'est le seul qui farmait. Quel roi, sérieux, quel roi. C'est vraiment grâce à lui, hein. Hop. Well done, payé. Let's go, les amis, let's go. Oh là 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 là, let's go. Enfin. Magnifique. On n'est pas beau, là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on est beau là. Appuie sur T. Oh, je suis mignon. C'est quoi cette lueur là? Ça fait quoi? Pourquoi j'ai un truc plein d'eau? Ça fait quoi en appuyant sur T? GG, merci les gars. T'as des écailles. Quelqu'un te frappe, il y aura moins de dégâts. Ok. Oh mais les gars, à part ça, ce jeu est vraiment bien. Hein. C'est fou. Venez les gars, on fait une photo. Venez, on fait tous une photo. Venez. On se met à côté de lui là. Attendez, je me mets ici.